Donald Trump venait juste de finir parler, assurant à l'Amérique que le meilleur était à venir. Et alors que les caméras s'attardaient sur le président américain, Nancy Pelosi, assise derrière lui en tant que speaker de la Chambre, a déchiré plusieurs pages de son discours sur l'état de l'Union en direct. Du jamais vu lors d'un rendez-vous habituellement très courtois. Et une nouvelle étape franchie dans une relation plus tendue que jamais, à la veille de l'acquittement attendu de Donald Trump dans son procès en destitution. Sur Twitter, deux camps s'affrontent, avec d'un côté le hashtag PelosiTentrum et de l'autre Pelosi Strong. La Maison Blanche a réagi, déplorant que Nancy Pelosi ait ainsi déchiré un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, un bébé qui a survécu après être né prématuré à seulement 21 semaines de grossesse, ou encore la famille de Kayla muller tuée par Daesh, des Américains évoqués par Donald Trump dans son discours et invités dans la salle. La tension était palpable d'entrée, mardi soir. Alors que Donald Trump lui donne une copie de son discours, la patronne des démocrates lui tend la main. Mais le président américain ne la lui sert pas, sans qu'on puisse dire avec certitude s'il l'a volontairement ignorée. Nancy Pelosi hausse alors les épaules. Dans la foulée, elle n'annonce pas Donald Trump avec la formule ampoulée habituelle, mais avec une formule bien plus sèche, membre du Congrès, le président des États-Unis. Pourquoi a-t-elle déchiré le discours de Donald Trump Interrogée à sa sortie, Nancy Pelosi, qui n'a pas parlé au président américain depuis plus de trois mois, a répondu avec ironie, parce que c'était la chose la plus courtoise à faire, compte tenu des alternatives. On ne préfère pas imaginer lesquelles.